harmoniser tous les régimes spéciaux en un seul et même régime, et d'associer aussi dans ce même financement les complémentaires. Donc vous voyez une modalité facile et une réponse un peu immédiate au fameux déficit annoncé, qui simplifierait les choses et qui permettrait d'avoir déjà un gain. Ce qui a été proposé, c'est la fameuse CSG. Ce qui nous a été brandi, c'est ce déficit, la nécessité de réduire les dépenses de santé. Enfin, ça a été ce cadre austéritaire qui nous a été présenté. On s'y oppose d'office quand il est question de santé. Donc, non, ça ne va pas nous surprendre. Ça va être notre premier désaccord, mais ça ne sera pas le dernier. Le gouvernement a lancé une grande réflexion et concertation qui va se dérouler pendant tout le printemps. Et pour revenir au thème, je l'ai voté, moi, avec PLFSS, parce que je considère que les mots ont un sens. L'austérité, ça n'est pas ce que nous sommes en train de vivre et ça n'est pas ce que nous avons voté. Si on veut voir ce qu'est l'austérité, il faut aller en Grèce. Là, on va inscrire la véritable austérité, malheureusement, pour nos amis grecs. Là, nous avons voté un ONDAM en augmentation. L'ONDAM, c'est l'objectif de dépenses de santé. Nous l'avons voté en augmentation de 2,3%. Elle était en augmentation de 2,1% l'an passé. C'est 4,38 milliards d'euros en plus pour la santé. Je ne dis pas que c'est suffisant, naturellement. Mais, en tous les cas, l'austérité, ça aurait été de diminuer les dépenses de santé. Dieu merci, ça n'est absolument pas le sens que nous avons pris. Nous l'augmentons de 4,38 milliards. Et pour se rendre compte de ce que ça représente, c'est une dépense publique de 195,2 milliards. C'est-à-dire que, à peu de choses près, c'est 4 fois le budget de l'éducation nationale qui est le premier budget de l'État. Et très sincèrement, évidemment, ça le mérite. Parce que là, on parle de 2 très grands services publics. L'accès à l'éducation et au savoir, l'accès à la santé. Et donc, nous devons effectivement les financer. Parce que c'est quelque chose d'essentiel. Depuis bien des années, le déficit de la sécurité sociale s'est creusé très lourdement, au point qu'on avait dû créer une caisse. Pourquoi ? Et donc, nous sommes en train de sortir de ce déficit très important. Le déficit de la sécurité sociale est de 2 milliards d'euros. C'est le déficit le plus faible depuis 2001. La dette de la CADES sera réduite à 35 milliards en 2022. Et donc, on est dans une perspective d'un remboursement total d'ici 2024. C'est important parce que on va probablement échanger des logiques très différentes là-dessus. Mais moi, je vais vous dire, je suis extrêmement attaché au modèle social français parce que c'est là, parce que c'est le fondement de notre République. C'est ce qui fait que notre République tient. Et donc, on a besoin de ce modèle social français et on a donc besoin qu'il soit financé et qu'il soit équilibré. Donc les choses vont mal, et bien, il faut qu'on essaie de les réformer. Je voulais simplement dire, comment sait-il que le budget augmente et que les lits ferment ? Là, il faudra m'expliquer concrètement la réalité technocratique de vos chiffres et la réalité que vivent les gens qui font la queue dans les urgences et le burn-out des infirmières. Oui, alors moi, je vais donner aussi quelques chiffres. Le budget... Il y a l'augmentation naturelle des dépenses. Les dépenses de santé, aujourd'hui, nécessitent une augmentation naturelle supérieure à 2,3%, 2% pour l'hôpital, avec un 0,2% qui est pris dans la poche des citoyens, puisque ce 0,2%, c'est l'augmentation du forfait hospitalier. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Fédération hospitalière de France, qui est présidée aussi par un élu, Frédéric Valtoux, maire Les Républicains de Fontainebleau, qui dit que l'évolution naturelle des dépenses à l'hôpital pour maintenir l'existant, c'est 3,2%. Si on est en dessous de 3,2%, on diminue l'offre de soins. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec un système qui s'écroule. Alors moi, je suis très concret. Nous avons une proposition, on fait une proposition à la CGT qui est très concrète, qui n'a pas été retenue par les députés, qui ont fait d'autres choix.
quand tous les hospitaliers regardent leur fiche de paye, il y a dessus ce qu'on appelle la taxe sur les salaires. C'est un impôt qui est prélevé sur les salaires des hospitaliers. Ça représente un peu moins de 4,5 milliards d'euros. 4,5 milliards d'euros, c'est la possibilité aujourd'hui de créer dans les hôpitaux 100 000 emplois. Parce qu'un emploi moyen à l'hôpital, avec les cotisations sociales, non pas avec les charges, avec les cotisations sociales, c'est 42 000 euros en moyenne. Notre demande immédiate, c'était de supprimer cet impôt injuste, qui est la taxe sur les salaires, pour donner un ballon d'oxygène financier à l'hôpital. Le choix qui a été fait par le gouvernement, ça n'a pas été de supprimer cet impôt injuste, c'est de supprimer, moi, un impôt que je considère juste, qui est l'impôt sur la fortune pour le même montant. Pour le même montant. Et comme je suis quelqu'un de réaliste, vous voyez, je ne demande pas de l'argent en plus, puisque ce n'était pas nuire à l'équilibre budgétaire de l'État, dans le cadre des contraintes européennes, puisque c'est 4,5 milliards d'un côté, 4,5 milliards de l'autre. Moi, je considère, je suis médecin, je gagne bien ma vie, mais il y a des gens qui gagnent beaucoup mieux leur vie que moi dans ce pays, qui vont planquer leur argent dans les paradis fiscaux, c'est ceux qui bénéficient de l'exonération de l'ISF. Je considère comme anormal qu'on leur ait donné encore plus d'argent alors qu'on avait besoin d'argent pour le système de santé. Voilà, donc ça c'est clair. Aussi la dette que nous allons laisser à nos enfants. J'ai été éminemment choqué par l'attitude du président de la République, accompagné par la ministre de la Santé, lors de son déplacement à Rouen, parce que j'ai entendu exactement le même argument que celui qu'avait servi M. Fillon, et là j'étais présent, dans un débat du Val-de-Marne, où M. Fillon, face à ma collègue aide-soignante, qui lui disait « Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Est-ce que vous accepteriez, quand vous serez à cet âge-là, dans un EHPAD, que je n'ai que 8 minutes pour vous faire la toilette le matin ?» Et M. Fillon a répondu « La dette que nous allons laisser à nos enfants. » Et ça a été exactement la même réponse de M. Macron avant-hier à la collègue infirmière. Alors la dette qu'on va laisser à nos enfants, moi je veux bien, mais vous savez, le déficit de la sécurité sociale, on l'a créé, c'est une absence de ressources suffisantes. On a une solution aujourd'hui. Si on a uniquement la sécurité sociale, avec, comme ça existe dans le régime Alsace-Moselle, un ajustement du taux de cotisation en fonction des dépenses de l'année précédente, eh bien il n'y a pas de déficit. Et si on agrège effectivement les cotisations de la sécurité sociale plus celles de l'assurance maladie complémentaire dans un gestionnaire unique qui est la sécurité sociale, on dégage immédiatement 8 milliards d'euros qui sont les coûts de gestion des assurances maladie complémentaires. Donc vous voyez, on a des solutions. Ce n'est pas ce qui manque. Ce n'est pas le choix qui a été fait. Les assurances maladie complémentaires aujourd'hui, c'est quoi? C'est du business. C'est du business. Même ce qu'on appelle mutuelle aujourd'hui, c'est du business. La sécurité sociale, ce n'est pas du business. C'est mon argent. C'est mon argent. C'est une partie de mon salaire que les anciens, les camarades de la CGT en particulier, ont décidé de mettre dans des caisses gérées normalement par les travailleurs, puisque c'est notre argent, c'est notre salaire différé, pour l'assurance maladie, pour la retraite des vieux, ça s'appelait comme ça à l'époque, les accidents du travail et les allocations familiales. Vous voyez, donc le problème, c'est que l'affrontement aujourd'hui, il est sur quel choix on fait. Quel choix on fait, sachant qu'on est dans un pays où les besoins augmentent, parce qu'on a une population vieillissante, il y a des progrès de la médecine. Donc les deux, ce que vous dites, les 4 milliards en plus, ça ne permet pas de maintenir l'existant. Et je termine juste là-dessus. Aujourd'hui, moi, je suis urgentiste. Il y a eu les collègues des EHPAD qui ont parlé de maltraitance. Mais aujourd'hui, le résultat de votre politique, moi je le dis clairement, je l'ai dit à la ministre, et je vous le dis en face, puisque vous avez voté le PLFSS, vous avez une responsabilité morale sur la maltraitance dans les EHPAD et sur les personnes qui sont mortes sur des brancards aux urgences dans des conditions inhumaines aujourd'hui. Parce que c'est ça, le système est en train de s'écrouler, et donc aujourd'hui il y a bien d'autres solutions que le discours de la dette qu'on laissera à nos enfants. Donc, je n'ai pas de remarque plus pertinente que celle que tu as déjà faite, mais je voulais interpeller le député qui est présent sur la situation. Non, le seul qui est présent, c'est vous, parce que vous êtes responsable de ce qui se passe, et l'interpellation qui vous est faite, il faut bien l'entendre, parce que c'est la réalité qu'on vit de tous les jours et qui augmente tous les jours. Quand on parle de souffrance au travail, moi, médecin libéral, c'est la première fois en 30 ans d'exercice que je vois régulièrement des membres du service hospitalier venir nous voir, du personnel venir nous voir, de souffrance au travail. Ça n'était jamais arrivé dans les 10 ans passés. C'est la première fois qu'on voit des gens arriver nous voir aussi, parce qu'ils ne sont pas pris comme ils le souhaiteraient en charge par les gouvernements, parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Donc c'est bien un problème
de financement et de mettre en adéquation les moyens et les besoins. Sauf ce que vous nous avez expliqué, comme nous explique régulièrement d'ailleurs le président de la République, c'est votre vision des choses et la gestion, comment vous dire, financière des choses. Nous, ce qu'on vous dit, c'est qu'on est des êtres humains, qui soyons des êtres humains et dont ces gens ont des besoins humains. Vous n'y répondez, et c'est ce qui est une caractéristique de ce gouvernement, à chaque fois que par des chiffres, à chaque fois par une espèce de langage technocratique et administratif. Je le dis sans agressivité ni... je me dis, parce que c'est ce que je ressens moi quand je vois les députés En Marche nous parler, quand je vois le président de la République nous parler, on a l'impression qu'il y a une déconnexion entre ce que nous vivons, nous, tous les jours ici, et la souffrance qui s'exprime, et on a l'impression que vous êtes en haut et que vous décidez sans vraiment nous demander votre avis, parce qu'en fait, vous dites qu'il y a des concertations là, mais à chaque fois, maintenant un an, concertation se fait, en fait, vous faites ce que vous avez dit que vous faisiez. Alors, vous allez me dire, vous avez été élu pour ça, ok? Alors, actons qu'effectivement, vous faites ce que vous avez décidé de faire, ne parlez pas de concertation, parce qu'à mon sens, il n'y en a pas. Peut-être préciser deux, trois choses. Là, on a une description du système de santé par une logique comptable, comme le dit Jean-Jacques, qui nous est fait systématiquement. On nous oppose des chiffres à des relations humaines, à des actes de soins, à du personnel en souffrance. Donc, moi, je veux bien entendre qu'il y aurait un problème de financier. Le problème financier, ça a été dit, il y a un manque de recettes. Pourquoi déjà un manque de recettes? Une population salariée au chômage. Déjà, ça c'est clair. Égalité homme-femme sur les salaires. Qui ne règle pas tout, mais qui, au moins, donne des perspectives. On a un problème de sécurité sociale par la baisse des salaires. Et là, vous en êtes responsable ou comptable, le problème n'est pas là. Quand, par exemple, ce qui ne sert à rien, mais vous ne donnez pas de pouce au SMIC, puisqu'il n'y a plus de cotisation sur le SMIC. On a décidé de... Voilà. Dans le même temps, on augmente la CSG dogmatiquement et on diminue les cotisations. C'est pour mettre fin à la sécurité sociale. Il faut être clair, il n'y a pas d'autre idée derrière ça que de mettre fin à la sécurité sociale comme elle est là. De mettre fin à la sécurité sociale sur le financement axé sur le travail. Et là, on va nous opposer coût du travail. On a l'habitude, le patronat le fait, le gouvernement aussi. Alors nous, coût du travail, ça n'existe pas, puisque notre salaire socialisé sert à la collectivité pour ceux qui en ont besoin. Et dans l'ensemble de la sécurité sociale, puisque là, c'est sur l'assurance maladie, nous, on l'a sur la retraite, allocation familiale, la TNP, tout ça. Mais on est sur une posture idéologique du gouvernement qui est dans la continuité des précédents sur il faut absolument que la sécurité sociale soit solidaire, et qui dit solidaire dit impôt. La CSG est un impôt. Et là, le choix est avéré de transférer cotisation assise sur le travail, encore une fois. Notre salaire. On nous piquait du salaire. Je vous le dis clairement, vous nous piquez du salaire. Le salaire socialisé, c'est la richesse créée par les salariés dans l'entreprise qui est mis à disposition de ceux qui en ont besoin. Et c'est mes poches que vous faites, monsieur le député. C'est mes poches que vous êtes en train de faire. Ça me plaît pas. Tout de suite, ça me plaît pas. Ça fait pas aux copains qui sont là non plus. Mais vous nous faites des poches en nous expliquant que c'est pas équité et solidarité. Vous faites des poches de tout le monde. Alors, elle est la solidarité. Sauf, évidemment, ce que disait Christophe. Donc, le financement de la sécurité sociale, il est très simple. Christophe en a qu'une partie, c'est comment ça a été créé au départ. Cotisation unique, taux unique. Revenons à cotisation unique, taux unique. On n'aura pas de problème, hein. Vous allez voir, on n'aura pas de problème. On n'aura pas de problème politique. Parce que c'est ça. Vous nous amenez des chiffres, nous, on va vous amener un petit peu de politique, et de ce que veulent les salariés. Un impôt supplémentaire, ils n'en veulent pas. Par contre, être bien soigné, ça, ils veulent. Donc, la cotisation, oui, il faut la défendre. Il faudra aller plus loin sur la sécurité sociale. Ça, c'est une proposition de la CGT. Que la Sécu soit financée à 100% par la cotisation. Tout de suite, là, on peut prendre le taux de CSG et le mettre en cotisation. Ça ne vous a pas échappé que quand on a augmenté le taux de CSG, le patronat n'a absolument rien dit. Absolument. Vous les avez pas vus un peu au rideau en disant non, non, on n'est pas d'accord, vous auriez augmenté le taux de cotisation de 2%, vous auriez eu le problème, vous auriez eu. Donc, taux unique, cotisation unique, gérée par les salariés, comme c'était avant, le patronat n'avait pas son mot à dire. Une chance parce qu'ils ont résilié la sécurité sociale d'entrée. Donc,
On a introduit le paritarisme, c'est le bordel. L'État reprend la main, c'est pire. On a ces problèmes-là, donc géré à 100% par les salariés, 100% remboursement, gratuitement, la santé. Et puis bon, on pose la question sur les complémentaires. Les complémentaires, ils savent gérer une partie de la santé dans leurs propres entreprises, parce que c'est des entreprises. Si on les met dans la sécurité sociale, ils font la même chose. Les salariés, il n'y aura pas de problème. Bon, on va récupérer cet argent. Christophe a donné le chiffre. Et quand on l'explique aux salariés, je peux vous assurer, ils ne réfléchissent pas longtemps pour dire bah, « oui, 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 parce que ma mutuelle coûte cher, ça ira sûrement mieux dans les hôpitaux, ça ira sûrement mieux pour l'accès aux soins. » Et nous, la CGT, on dit que c'est l'ensemble de la sécurité sociale qui devrait être gérée comme ça. Les retraites, avec des retraites complémentaires, les allocations familiales, vous les avez détruites complètement, il faudrait les remettre avec comme des propositions qu'on a. Pas vous, hein, mais le gouvernement a quand même pas mal d'amis dans le patronat. Peut-être pour suggérer quand même d'augmenter un peu les salaires. Si vous pensez que les soignants sont suffisamment des bonnes sœurs pour ne pas se rebeller un jour ou l'autre, vous vous trompez. Bon, un petit cas concret tout bête. Hein. 1%, il manque 1%. L'ONDAM à 2,3, il faudrait 3,3, il manque 1%. Si vous enlevez 1% des effectifs dans chaque établissement, ça fait un ratio de 10 agents pour 1000. Comme il a été supprimé beaucoup de personnel des services techniques, des services administratifs, aujourd'hui, c'est 10 soignants que vous enlevez. Pour ce qui est de la psychiatrie, ce n'est pas 10 pour 1000, c'est 20. Voilà, c'est ça que ça veut dire quand on vote un ONDAM à 2,3. Je rappelle, l'ONDAM, c'est l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie. Juste une question, François. Là, nous avons donc des professionnels qui exposent une situation que vous connaissez probablement, mais qui aussi exposent des solutions très concrètes. Dans l'immédiat, là, sur les salaires, et puis d'autres propositions pour sauver la sécurité sociale. Pouvez-vous me dire, qu'est-ce que vous pensez de ces propositions concrètes qui ne déséquilibrerait aucunement le budget, le prochain budget, et de ses perspectives. Et qu'est-ce si vous n'êtes pas d'accord, quels sont vos arguments? Bon, j'ai entendu toute la nuance des arguments qui m'ont été opposés. Nous sommes depuis 8 mois au gouvernement, une majorité entièrement nouvelle, et pour autant, nous sommes responsables de tout. Nous sommes responsables du chômage, nous sommes responsables des déficits, nous sommes responsables du mal-être au travail et nous sommes même responsables, si j'en crois Christian, des gens qui meurent, Christophe, pardon, même responsables des gens qui meurent sur les brancards actuellement. Très honnêtement, s'il n'y avait pas eu ce dernier argument, j'aurais pu en sourire. Mais je dois dire que je suis un peu quand même révolté par ce que j'entends. Parce que vous ne pouvez pas dire que nous sommes responsables de tout en 8 mois. La dégradation du pays ne s'est pas faite en 8 mois. J'ai même plutôt l'impression qu'on commence un peu à le redresser. Et vous ne pouvez surtout pas prendre comme argument le décès de personnes humaines dans les hôpitaux. Alors, je réponds à ce que vous nous disiez. Il faut bien parler d'argent parce qu'il faut bien parler de financement. Même pour un service public, il faut de l'argent pour le financer. Et donc, c'est pour ça que j'ai parlé finances, et d'ailleurs, Christophe aussi a parlé de finances. Est-ce que derrière, nous sommes conscients ou pas des difficultés? Évidemment que nous sommes conscients. Et c'est pour ça que nous sommes engagés sur ces questions-là. Évidemment que nous connaissons la réalité de la souffrance au travail des soignants dans les hôpitaux. Mais pas seulement. Évidemment que nous sommes conscients de la souffrance des patients, de ceux qui doivent attendre des heures aux urgences parce qu'il n'y a pas assez de personnel, même si le personnel se défonce pour les soigner. Évidemment, nous sommes conscients des difficultés des médecins de ville qui doivent travailler à un nombre d'heures intolérable pour réussir à faire face aux demandes des patients. Et évidemment, moi, une des choses qui m'a marqué pendant ma campagne, c'était à Bailly-sur-Saulne, un monsieur qui était retraité maçon, qui vivait avec 800 euros par mois, et qui me disait « moi, je ne peux pas me soigner. Je dois choisir entre payer mes factures pour mon logement, me nourrir ou me soigner. » Et le monsieur ne pouvait pas se soigner, il avait d'énormes problèmes au niveau de la dentition, et évidemment que ces cas
humains sont extrêmement choquants dans une France en 2018. Et évidemment que tous ensemble, c'est notre devoir que d'essayer d'y répondre. Et donc, nous allons essayer de le faire. Et le débat n'est pas vous contre moi, moi contre vous, une partie du pays contre le gouvernement. Non, la France, dans son entier, doit essayer de se sortir de là où elle est et de pouvoir répondre à ces situations parce qu'effectivement, elles sont inacceptables. Alors, juste, je veux comprendre, parce que Sabine me posait une question précise par rapport à une proposition de Christophe. Vous me dites que vous me parliez d'une taxe sur les salaires des hospitaliers. Et donc, vous me disiez, il faut la supprimer. Mais c'est précisément quand on prélève qu'on trouve des recettes de financement. Donc, en fait, vous n'êtes pas en train de me proposer, en me disant de diminuer cette taxe, de trouver de nouveaux financements. Vous allez nous priver de ces financements. Donc, pardonnez-moi, mais de ce point de vue-là, sur le reste, Christophe, j'ai bien entendu. Oui, oui, mais j'ai bien entendu ce que vous disiez, mais autant je peux être d'accord sur le fait que l'ONDAM, bien qu'en augmentation, n'est pas suffisant pour contrer le vieillissement de la population et les besoins accrus qu'on a de se soigner. Je l'entends, ça. Autant cet argument par rapport à la taxe ne me paraît pas totalement viable parce que, oui, nous avons besoin de plus de recettes pour pouvoir financer des dépenses supplémentaires. Et dernier point sur lequel, par contre, je ne pourrais pas être en accord avec vous. Autant soigner et la santé 100% gratuite, c'est des choses qu'on peut discuter parce qu'on est là dans l'essentiel sur la santé, avec l'instruction, avec la sécurité, avec la défense. On est sur de l'essentiel. Mais s'en prendre de façon globale, parce que j'ai compris que c'était un peu ça, aux mutuelles, là, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il y a des points d'amélioration à aller chercher dans les mutuelles. Parce que je ne suis pas sûr que la gestion des mutuelles soit optimale. Et donc, il y a probablement des enquêtes à faire. Alors, non, non, mais par contre, les mutuelles, c'est de l'économie sociale et solidaire, et moi, j'y suis attaché. Parce que cette table ronde est donc un aboutissement, mais c'est aussi un point de départ, puisque le 2 juin prochain, nous organiserons un atelier législatif dans la petite salle des fêtes de la chancellerie sur le sujet de la santé, et que cet atelier des lois aura pour but de concrétiser dans un texte de loi qui nourrira des propositions de loi du groupe de la France Insoumise sur le domaine de la santé.